Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de The Last of Us Part 2. On s'est arrêté ici. On continue tout de suite avec Dina. On va essayer de retrouver les enfoirés là du WLF. Est-ce qu'on peut passer là? Ah non, on peut pas. Attends, je peux péter un carreau. Ah, c'est tellement satisfaisant. Pardon. Vas-y, on continue. On sort son arme, on sait jamais. On sait jamais. Là, on peut pas passer. Là-haut non plus, si. C'est compliqué pour une courte échelle là, non? Tu veux pas, Dina, là? Non? Ok. Bah écoute, on va bouger. Je vais laisser le pompe, moi. Ta 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 la ta ta la. Attends, nous, on vient de là. Je sais pas trop, je sais pas trop où elle est. On vient de là-bas. Ok. La fenêtre là, on y a été ou pas? Je crois pas. Hein. Ah, il est plus simple. Moi je dis qu'on va tomber sur un survivant, mais sorte d'allié. Allez, je mets une petite pièce là-dessus. Allez. Quelqu'un qui se cache, tu sais, qui a peur et que... Non, je sais pas. Peut-être Tommy, hein, on sait pas. Putain, je ramasse tellement de stuff, mon pote. Ah, vas-y, on va refaire un kit. Voilà. Y a rien à ramasser, je pense plus. Pa, pi, pa, poum. Hop. Vas-y, on va aller en haut. Quel connard. Ça fait peur ce con. C'est fini. Ouais. Merde. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ah ouais. Mais le pire c'est que je l'ai pas vu, parce que comme elle a fait un saut là, Ellie, je savais pas. Et des fois c'est ça, l'animation elle est un peu chiante parce que ça te bouge la caméra. Je dirais peut-être petit défaut sur la caméra des fois, tu vois. Bon après c'est peut-être moi qui arrive pas à le gérer, hein, mais... Par contre que tu repères pas le rôdeur ou le coureur ou le claqueur tout de suite comme ça, bah quand le claqueur c'est que c'est écrit. Mais quand même, lui, tu vois, on l'entendait pas. Avec le mot d'écoute, tu le voyais pas, quoi, c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Ils m'ont mordu, Tina est morte, ça fait un moment qu'on picole pendant nos patrouilles. Hein, faut faire une école, hein. Dites à son frère que je suis désolé, je vais essayer de la sauver. Ok, salut. On va garder le flingue. Le revolver. T'avais quand même un truc par terre, non? Ok, on y va, on y va, on y va, c'est bon. Calmez-vous. Du coup, ici on est passé, ok. Là on y a été, ok. Ah non, en vrai ça doit se passer là-bas. Hein. Là-bas, on n'a pas été... Enfin, on voulait venir de là-bas, mais on n'y a pas été. Donc est-ce que là-dedans on peut y aller? Je pense pas. C'est ouvert là. Peut-être passer là, non? Courte échelle, s'il vous plaît? Non. Je peux pas passer. Est-ce que depuis l'étage on... Ah là-bas, j'ai pas été là-bas. Ah si, j'y étais. Bah je sais pas en vrai. On peut passer là? Non? Ah mais ouais, avec la poubelle, je suis con. Logiquement.
te mettre le truc bleu là, c'est que tu peux la mettre la poubelle, logiquement. Parce que sinon je sors pas de la zone, je sais pas où aller. Voilà. D'ici, je vois toujours les immeubles. On y va comment ? Voyons voir. Ah, je sais pas, t'as pas un véhicule ? Ce serait plus pratique. Imaginez, on retombe sur Bill. Oh le délire. Ce serait tellement ouf. Ce serait tellement ouf. En fait, t'as tellement de trucs à fouiller, c'est incroyable. Le mot fouiller, vous me direz combien de fois je l'ai dit jusqu'ici depuis le début du let's play. Hein. Ah, depuis le premier épisode. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois. Vas-y, on va aller voir. Au moins avec lui, on a vu ça ce putain de burrito 3 fois par semaine. J'en ai ras-le-bol. C'est combien de la digestion que j'ai eu ? Ah, ils sont en dessous. Je commence à avoir faim. Arrête un peu de parler de bouffe alors. Ouais. Sur ta gauche, petit. Ils sont en dessous, qu'est-ce que tu racontes ? Ah non, ok, pardon, j'ai pas vu. Putain. Quelque part dans le coin. Et on est sûr que c'est pas une scar ? Non, c'est pas une scar. Alors les scars vont lui régler son compte. Vas-y, bouge pas toi. On n'arrivera pas à la trouver avant les scars désinfectés. Tant mieux. T'as quelque chose ? Là, Bill ! Fou ! Tu refais quoi ? Ah putain, fais chier, je crois que j'étais. Je regarde pas, c'est les alentours. Hein. Oh la balle dans la tête là. Je sais pas si je vais pas exploser la tête. Hein. Vas-y, je te couvre. Tu couvres rien du tout, enfoiré. Ah si, 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 derrière, 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 j'ai entendu derrière. Non ? Elle est où, elle est où ? Et vous voyez la visée comme elle est lente. C'est ça que j'arrive pas à gérer. Je crois pas, non. Bien. Je vais garder la batte. Merde. Ashley. Bah alors Ashley. Il y en a que tu reconnais. Non. T'as les impacts. Stylé. Hein. Elle est immense cette zone de quarantaine. Donc ouais, lui j'avais bien dit, je vais exploser la tête. Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout ? Sale. J'espère que non. Mais encore une fois, j'ai mal joué, je me fais toujours toujours gris, j'aurais dû redescendre et tout. Ça, c'est la première fois qu'on le fait, les gars, on peut pas être parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire là, rien. Bon, déjà, j'ai pas perdu de vie, c'est bien. Mais j'utilise trop de balles, c'est pareil. Bon, après, on est en normal, donc on a quand même assez de. Il nous donne quand même assez de munitions, donc ça va. Il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Putain, mais la balle dans la tête que je lui ai mis au premier là, c'était. Eh, ça vous dit rien ça? Ça me rappelle avec. Riley et Ellie. Bah si! Regardez! Oh, il va avoir, au moins avoir un clin d'œil là, c'est obligé. On peut pas essayer un masque. C'est quoi ici ? Juste des trucs d'Halloween. Il y a des trucs plutôt marrants. Moi, je suis pas fan. Même pas un petit clin d'œil là, franchement. Mince alors. C'est le même magasin. Ah ouais, regarde, t'as même le pistolet. Bon, on manque plus que le robot de Sam et puis on est. Le compte est bon. Hein. Ça c'est vrai.
Y a pas, non. Je regarde au cas où, mais non. Ok, bon allez, on continue. Continuons. Attends, alors j'ai envie d'aller à droite là-bas, mais à gauche. Si bien en vrai, on doit aller vers les immeubles, donc c'est où? Je sais plus si c'est ceux-là, je sais plus. Par contre, j'arrive à me perdre dans le jeu, alors que tu vois, c'est pas assez grand, tu vois, mais en fait, c'est pas fait pour que tu te perdes, quoi. J'arrive à perdre le sens de l'orientation. C'est bien fait, c'est bien fait. Attends, Dina, ouais, y a trop de trucs à aller voir là. Ah, y a rien. Station essence. Il y a peut-être des trucs, hein. Ah, des petits trucs sympas. J'allais dire, ce serait bien de retomber sur un établi. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Ah bah voilà, je ferme ma gueule, j'ai rien dit. Il y en a un. Plein, mais ça, je vous le dis, c'est pas bien. On n'a jamais trop de munitions. Vous moquez de moi. C'est trop calme, ouais. C'est trop calme. Voilà. Est-ce qu'on peut pas les juste les laisser passer? Quand tu les entends hurler à la mort, c'est dur, putain. Je peux encaisser. Bon, tu veux, je te recommanderais. C'est sympa. Mais je peux te donner un conseil. Vas-y. T'énerve-toi pour les faire parler et finis bien. Écoute pas leur connerie. Toi, y en a un là. Tu répondras du Scar en face de moi. Tu crois pas? Putain, mais. Ah, t'es tout seul normalement là, mon pote, non? Ah, ils sont deux, ils sont deux. Cherchez partout. Vous! Sortez de cette direction! Oh, ils sont deux! Putain! Quoi? Comment ça je le touche pas là? Ah putain, y'en a. Colin est mort. Ah, putain. Je joue trop mal. Merde! Mais qu'est-ce que je fais? Je voulais prendre un kit. Je voulais juste prendre un kit, putain. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment, vraiment du mal. Avec les fights. J'ai trop, trop de mal.
C'est une nouvelle façon de jouer, je suis corps sur le 1 et c'est pour ça que j'ai du mal en fait, tout simplement. Tout simplement du mal. C'est pas du tout la même façon de jouer, la même façon de viser, de tirer, il y a... C'est dur en fait, en fait. En fait. Non putain, c'est clair que c'est dur, bordel. Bon, bah du coup, voilà quoi. Je peux améliorer mon arme. Bon, on a juste failli crever, hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Cadence de tir, ouais. En vrai, qu'est-ce qui est mieux, l'agrandissement, la plus de mun ou la stabilité? On va faire ça, réduire le recul, je pense. Ah, c'est stylé là. Ah. On a viré la crosse. La crosse. Toi, c'est bien aussi ça que tu puisses examiner tout le machin. Ah, j'aime bien. Attends. J'ai 101 pièces. Je peux mettre une lunette. Est-ce que en vrai, ajouter une lunette pour améliorer votre précision quand vous visez? Vas-y, je vais la mettre. Je vais la mettre. Ça, au pire, j'utiliserai, voilà, j'utiliserai en tant que snipe normal. Et les autres, je les garderai pour le corps à corps. C'est plus. Ce sera mieux, je pense. Ce sera mieux. Bon, allez, on a utilisé toutes nos pièces, pratiquement. Voilà. Ok. Ah, d'accord, donc, ouais, c'est vrai. Ok. J'ai failli rester, hein. Failli rester, hein. J'étais en mode, ouais, c'est cool, on peut fouiller. Mais en fait, ils arrivent. Ils arrivent à n'importe quel moment, les ennemis. Tu t'y attends pas du tout, en fait. C'est vraiment. Désolé, je parle tout seul, je sais, mais c'est cool. C'est encore un des The Last of Us. Alors, le premier, c'est le seul qui m'a procuré des émotions de fou. Celui-là, il te les redonne, ces émotions-là. Mais en plus de ça, t'as un gameplay qui est encore changé, qui est inédit en fait. Je dirais qu'il est inédit. Infecté, un sac lacard, ça. Tranquille, je vais lire tant qu'il y a les claqueurs à côté. Franz, ça y est, pour maintenant, si c'est à quel point que j'ai parlé, je suis morte. Ok. T'as du stuff, t'en as à la pelle. Mais par contre, en difficile, ça doit être autre chose. Le magazine de survivaliste. Numéro spécial camouflage, devenez invisible. Ah, ça y est, cool. D'accord, ok. Furtivité. Attends, merde, c'est où? Furtivité, c'est. C'est ça. Confection suspension. Confectionner silencieux qui absorbe totalement le bruit des tirs jusqu'à ce qu'il se casse. Ça va être bien, ça. Augmente la durabilité des 3, 5. Ok. Ça, on le fait tout de suite. Mode écoute netteté. Les ennemis détectés en mode écoute apparaissent plus nettement. Maintenez R1 pour repérer les ennemis proches à travers les murs. Ça va être intéressant aussi. Ok. Donc là, si je veux, je peux créer un silencieux sur mes armes. Pas mal. Pas mal.
ça dégage. Les deux ne bougent pas. Pas faire trop de bruit parce qu'il y a des trucs par terre. Mort. Tu es mort. Attends, Dinel s'est fait. Ah non, elle l'a fumé, ok. Ok, je pouvais passer là aussi. Mais j'aurais sûrement averti les deux coureurs. Rôdeur. On sait plus. Bon là, il doit y avoir de l'Easter egg hein, là-dedans. C'est même sûr. Bon là, vas-y, on sort. Et pour oh, je peux le faire que pour vas-y, attends, on va créer un silencieux quand même. Ça utilise quoi? Une bouteille et des tissus. D'accord. La batte, on va l'améliorer tout de suite. Voilà. Par contre, tout à l'heure, la loose, j'ai jeté un fumigène alors que je voulais prendre un kit, mais j'ai appuyé deux fois du coup. Bon, pour en créer une, on va refaire une, tiens, hop. Voilà, là on est bien. Ah, c'est une... Attends, c'est quoi, c'est... C'est une bouteille de coca, non? C'est une bouteille de coca. Le sensu peut être ajouté ou enlevé en appuyant... Ah, ok, d'accord. Bon, je l'enlève, mais au moins je sais que je l'ai. Ok, on continue. On peut peut-être descendre par là. Putain, ouais. J'ai pas fait attention. Quelle heure j'ai commencé? Mais là-bas, là. On y vient de là-bas, non? Je sais plus. Y'a une esseplou. Ah ouais, en fait, on était déjà passé là. On aurait pu descendre tout de suite. Je sais plus. Vas-y, on va y aller. Il y en a partout. Quoi? Ah ouais. Ok. Oh, mais... C'est quoi ce bordel? La doublette. C'est pas du tout ça que je voulais faire, on est d'accord? En train de se fight. J'allais dire si je peux ouvrir là. Style et le silencieux.
boîte aussi. C'est le secteur au peigne fin. Elles doivent pas être loin. Par ici! Ils sont où, il y en a un là? Voilà, c'est des balles comme ça que je dois mettre. Pas que je me trompe. Ok, ça a l'air d'aller. Ça va? Ouais. Et maintenant? Il faut qu'on franchisse le mur du poste de contrôle. Les immeubles sont de l'autre côté. Regarde bien. Il y a forcément un passage. En vrai, je crois que le platine il va être dur hein, quand il va falloir faire le jeu en, en difficile. Putain. Aïe aïe aïe. On va aller voir à l'étage. Ouais, t'inquiète, j'avais pensé, Dina. Pinaise. En tout cas, la doublette, la batte, là, elle était sympa. Elle était sympa. Attends, du coup, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, je regarde. Faut que j'ai un œil sur le truc, ok. Ouais, stylé, stylé. En vrai, un silencieux, ça va être trop important. Ça va être trop important, le silencieux. De toute façon, je les ai fumés, les mecs de l'étage, ils sont descendus. Leur ami ne... Bref, coup de bête. En fait, je crois que t'as tellement de combos que tu vas pouvoir faire dans le jeu, ça va être stylé en vrai. Putain. T'as un truc sur la tête, gros. Pourquoi elle est descendue, Dina, elle m'a abandonné là? C'est par là. Enfin, tu m'as un petit peu abandonné quand même. Pourquoi je peux pas le ramasser ça? Ouais. Attends, j'ai pas fouillé de l'autre côté. Ici. Ok, il y a un feu d'artifice, je crois que c'était dans le jeu, mais non, il y a un feu d'artifice chez moi, tout va bien. Je fais plus attention. Hein. Je sais pas si ça s'entend, mais désolé. Pourquoi ils font un feu d'artifice? Attends, on peut encore aller à l'étage là ou pas? Non, ok. D'ailleurs, on se casse, Dina. Au début, je voulais mettre un coup de brique au mec, et finalement, je me suis dit, bon. De batte, non? Non, on peut pas l'améliorer, non? Alors, qu'est-ce qui va nous arriver encore ici? En tout cas, les wolves pour l'instant, on les gère un petit peu. Difficilement en vrai. On gère un tout petit peu. Bon, ok, faut passer là, est-ce qu'il y a là-bas quelque chose? Ça. C'est fait. Et maintenant? Eh ben on se casse. Eh, Dina. Ouais. Pas peur des wolves. Pas peur de la WLF. Donne-moi la main. Bâtiment rond,
On dirait la station télé de ta carte. Mmh. Ouais. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. J'ai pas envie d'y aller. Comment ça s'appelle, Chanel machin. T'as ça, par contre, je l'oublie hein, tout le temps qu'on peut changer d'arme comme ça, là, avec R1. Faut que je retienne. Hein. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben, dis donc. La ferme. Oh merde! C'était quoi ça? Il a foncé dans un piège. Un quoi? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. C'est piège de Bill. En vrai, là, on s'en fout de se faire griller. Faudrait qu'il nous montre. Où sont les pièges? Allez, viens! Ah, fallait le laisser avancer. Ah, il rampe. Il rampe maintenant. Oh, ouais, mais non, mais non, mais non, je suis pas d'accord là. Ok. Pas de piège là. J'ai envie de foncer dans le piège pour voir si j'explose ou pas. Non, c'est mon esprit sadique ça. Bon, on récupère du matos, c'est bien. On a 8 balles de shotgun là, faudrait peut-être les utiliser. En vrai. Encore une teucard! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Franchement, je suis en kiff hein, sur le jeu. C'est vraiment. Mais c'est vraiment encore un jeu différent de The Last of Us, premier du nom. Ça n'a rien à voir. Bah. En vrai, ça n'a rien à voir. T'ont créé un truc. Je sais pas. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Voilà, je suis archi blindé, je peux pas en faire plus. C'est joli. Oh si, c'est joli. Je crois qu'il faut qu'on descende. C'est joli, hein. On peut pas avoir un petit moment de répit, même si c'est vrai que voilà, c'est pas Uncharted. Putain, tout va bien. Allez. J'ai mal aux fesses. Léa. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. Pouah. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Bah, des dessins alors. Genre un pied qui trébuche sur un fil et après un grand feu. Je suis sûre que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je veux le voir écrit noir sur blanc. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joël qui avait piégé une ville entière. Les habitants, ils faisaient comment? Il était tout seul. Attends, il avait une ville entière pour lui tout seul?
Il était du genre méfiant. Bill. C'est triste, mais ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme si on devait choisir entre survivre et être proche des gens. Tout n'est pas noir ou blanc. Quand même, ça peut être dangereux. C'est bien plus dangereux de rester seul. Imagine qu'il se blesse. Imagine qu'il tombe malade. Et imagine que quelqu'un d'autre se blesse ou tombe malade. Ça fait un poids en plus à porter, et au final, ça fait qu'empirer les choses. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. T'as pas tort. Y'a du répondant là. Ouais. Oh, attends. Je me mets une tarte dans la gueule là, attendez. Comme ça là. Aïe. Ah, c'est. C'est beau. Vous avez fait fort, Naughty Dog, vous avez fait fort. GG. Je voulais descendre là-bas, mais. Regarde. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout? Tu crois qu'elle a un rapport avec les wolves? Je sais pas. C'est trop bizarre. Ok les fanatiques. Et là-dedans mon pote y'a rien. Vive, j'espère que ça soit moi, je sais ce qui se passe, faites-en chez moi. Désolé. Comme je vous ai dit, vous mettez pause hein, si vous voulez les lire et tout. Moi je lis ça, je lirai ça plus tard. Y'en a pas un qui se lève hein. Eh, on dirait pas Nathan Drake. Les vêtements et tout. Non, je sais pas, non, bon, bref. Putain de merde. Ils ont été tués par balle. Ils ont été défoncés, hein, putain. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché. Ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Oh. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Ils ont rien sur eux là? J'ai même pas regardé, mais je pense pas. Là. Il n'y a rien là. Ouais. Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non, il n'y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Oh là 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 là. J'ai envie de prendre des screenshots à gogo. Non. Mais on ferait mieux de faire gaffe quand même. On va tomber sur les scars là, les séraphites, on va rien comprendre. Ouais, c'est par là. Faut monter. Oh. Encore des cadavres. Fait par balle aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. C'est le même. C'est le même mec que tout à l'heure. Je parie qu'il a pris ce chemin. Le jeu est nul, ouh. C'est les mêmes. Oh, ouh. Attends. Là-bas, il y a quoi là? On va essayer là. C'est
C'est bien bloqué. Bon, ok. On passera pas par là. Stop. Putain, ouais. Merde. Bien oh, vu. Putain, mais là aussi. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Tout y pète, quoi. On connaît. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Peut jeter une bombe comme ils ça. Ils peuvent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux. Alors, si on nous met des briques, c'est qu'on peut faire péter les bombes nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. J'espère qu'on les voit bien. Enfin, je pense que je les vois bien, je sais pas. Faut que je fasse attention au fil. Bon, en vrai, s'ils ont piégé une zone comme ça, tu devrais pas avoir de stuff. En vrai. Il y en a. Dans la logique. Encore un établi. De toute façon, j'ai rien, j'ai plus de pièces. Laisse tomber. J'ai entendu parler, non? Ok, bon, j'ai cru entendre parler maintenant. On va dire que non, mais je suis sûr que si. C'est trop bizarre. Donc là, on peut pas passer. Dina, elle rush, elle s'en fout, elle. J'ai tellement peur de de me faire péter pour rien. On va faire attention. Et une teucar. Putain, mais y'en a combien, sérieux? Gauche, droite, gauche. Réflexe, j'ai fait carré. Ça va? Ouais. Ouais. J'ai déboîté. Le réflexe, j'appuie sur carré. Je. Oh punaise. Un coffre, ouais. Mais le code. Le code, il va être de l'autre côté, je pense. Il va être là. Pour passer du montant à PlayStation. Alors 206, 505. Alors est-ce que ça peut être ça? Non, ça fait beaucoup trop de. Beaucoup trop de trucs pour le coffre. 206, 55, 5. Je suis sûr que ce numéro existe. Hein. Si vous l'appelez, vous allez retomber sur un truc bizarre. C'est obligé. Ah là, je l'ai pas le code. Hein. Est-ce que dans mes notes. Pas de code. Puis je me rappelle pas avoir vu un code dans ce qu'on a eu comme note tout à l'heure. Je ne crois pas. Bon, en vrai, les coffres et tout, c'est important de les faire histoire de. D'avoir. Comment dire. Ah, c'est vrai, le monde c'est Nibar. D'avoir. D'avoir du stuff. Mais là, je sais pas. Je sais pas où je peux récupérer la note, quoi.
Parce que c'est bien de trouver les coffres, mais si tu peux pas les ouvrir, bah ça sert à rien quoi. Tant pis, écoute, on va se casser. Hein. Parce que là, au pire, ce serait quoi? Est-ce que je tente 0133? Mais je crois que ça passera pas. On va tenter, on va tenter. Non. Là, ce serait 33. Ah putain, merde. Non, 55-01-33, on va essayer ça. Je sais pas si c'est le bon plan, t'as vu. Oh putain, si c'est ça, merde. J'étais pas sûr. Qu'est-ce que c'est? Une ceinture, ouais. Ah, deuxième étui, je suis con. Je crois que c'était une ceinture. Ok. Ah bah ça, là... Là je dis que demande le peuple, quoi. Ok. Et ben voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est bon, j'ai rien dit. Merci Stacy. On dit merci à Stacy. Et là on va essayer de refaire attention aux putains de bombes. Là on peut passer ou pas? Ouais. Ces herbes hautes, ça me rend nerveuse. Ouais, on a plus de mal à les repérer. Là, il y en a une là, non? Bon, en vrai, je sais plus. Est-ce que j'en ferai pas péter une là? Parce que ça me saoule. Pas bête. Ça fonctionne. Ouais. J'ai vu Joël faire ça une fois. C'est vrai. Bah du coup là, là ça a pété, ok. Je tire au pif, hein, je vois rien. En vrai c'est je vois rien du télé. Tout. Oh, par contre c'est trop chiant, il y en a trop quoi. Ils auraient pu en mettre un peu moins. Hein. Ouais, portail s'ouvre, vas-y, ouvre, ouvre, donne du stuff. Je suis désolé, je vais lentement parce qu'en fait j'ai l'impression que je vois mal les pièges. Merde. Reste en bas, les escaliers sont piégés. Tu peux les déclencher? Pas ici. Bon, on va aller de l'autre côté, hein, écoute. Maintenant, on va monter sur le camion. On peut pas? Pas dans la discrétion là. Peut-être que Léa viendra jusqu'à nous alors. Ouais. Ou alors ils vont nous attendre avec une embuscade. Ou bien ouais. Mmh.
On y est. Plus un bruit. Ça a l'air désert. Je me méfie. C'est pas désert. Tu vois une entrée ? Pas encore. C'est pas du tout désert, c'est mort. Faut que je fasse attention au piège, hein. Parce que c'est sûr qu'il doit encore en avoir. Mais on les voit mal, les fils, en fait. C'est ça le délire. Ah, nouvelle arme, non ? J'avais plus qu'un coup si bien que ma batte. Une clé à molette. Et si on grimpait? Ah, mais attends deux secondes. Je crois qu'il y a quelque chose sur le... toit là, non ? Hein ? Ok. Bordel. Oh, c'est violent. C'est Tommy, tu crois ? Bien, on entre. Putain, ouais, Tommy. Tommy, t'es où, mon pote ? Ouais, bien sûr, je vais passer là. Est-ce qu'on peut encore grimper ? Non, il n'y a pas l'air. À part où tu veux que je passe là ? Pour moi de faire la courte là, ça sert à rien. Là, ah ok. Ok. Let's go. Castoun. Bon, Tommy doit pas être loin. Je pense pas que ce soit que les Scars qui ont fait ça. Scar, Seraphie, t'appelles comme tu veux. Putain. Fais attention. J'ai 5 coups avec la clé à molette. On va garder la clé à molette. Ça t'inquiète. On donne beaucoup trop de stuff là. Je voulais péter le carreau. Oh, on peut. On va y arriver. C'est bien, même ça, ils y ont pensé quoi. Ok, là j'ai vu. Ça pue ça.
Non, ça c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel? Je sais pas. C'est les Ska, c'est un fit, il est malade. Ça vient juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. C'est pas une très belle rencontre si on les voit, hein. J'ai envie de te dire. Si on commence à entendre siffler. On sait qu'il faut se casser, quoi. Mais c'est horrible, putain. C'est horrible. Waouh, l'univers il change. Hein. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de malades dans ce reste du monde. Ça me gratte. Bon, l'épisode il va être long du coup, celui-là. Mais waouh! J'ai envie de te dire waouh! En fait, on t'amène tout petit à petit au niveau de l'histoire, mais. T'en as pour ton argent, mon pote là. Là je peux plus rien craft en fait, j'ai tout à fond. J'ai trop de stuff. Amène-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je panique, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me doute qu'elles veulent pas rester là. C'est pareil, j'ai trop de balles là, soit dire. Putain, la musique. Le suspense. Bah, 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 bah. Arrête la musique, arrête. Du coup, je sais pas si on va pas devoir se barrer parce que j'ai l'impression que. Oui, il y a encore des bouteilles, il y en a plein, donc peut-être on va devoir se faire demi-tour là. Attends, on vient de là, je sais pas. On vient de là, non? Non, on vient pas de là, qu'est-ce que je raconte? J'aime pas ça. On est trois découverts. Il faut qu'on regarde partout. Je veux trouver Léa. Ok, mais. Ouais, est-ce que bien ce que je dis, il y a trop de bouteilles tout partout là. Ils vont arriver. C'est sûr. C'est sûr. Faut que j'ouvre la porte là en haut, mais. Par où en fait? Comment? Par où je l'ouvre la porte? Je sais pas. Comment je peux y accéder? Mais là, qu'est-ce que tu fais, Ellie? Mais non, mais putain. Ah, fait chier, faut que je remonte là, putain. C'est pas ce que je voulais faire. Je peux pas passer là? Si? Ah, d'accord. T'as l'ambiance, sérieux. Tu sens
sens que c'est passé un truc sale. Putain, j'avoue, on n'a pas encore l'arc. Moi, je veux un arc. Bon, on aura l'occasion de le récupérer sur un séraphite une fois qu'on le bute. Ok. Putain, je vous avoue, je suis un petit peu en pression là. Arrêtez. Putain, je sais pas où aller. Dina, t'as pas une idée? Parce que là, y'a rien. Là, la porte, on peut pas l'ouvrir. Ah si, merde, je crois qu'on pouvait pas l'ouvrir. T'as entendu? C'est quoi ça? Ah. C'est elle. T'en es sûr? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. Dina. C'est des photos d'eux. Attends. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. Par hasard. Ouais. Bon. Elle est morte. Comment tu te sens? J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la faire. Elle a parcouru des centaines de kilomètres pour le torturer. Je me fous de savoir si c'est elle qui l'a achevé. Je comprends. J'espère que tu comprends. Tu veux qu'on se plante quelque part pour examiner ses affaires? D'accord. On va avancer dans le centre-ville et trouver un endroit où se barricader. On va garder le... celui-là, de flingue. Allez. La pression là. Ok, il y en a un là. Il y a son pote derrière. Je fais quoi moi?
que j'ai vu un truc. Je vais voir ce qui se passe. Elle a une machette sur notre gauche. Je suis nul. Je vous l'ai dit, je suis nul. Nul, c'est incroyable, j'arrive pas à viser. Attention le fight. Pas le fight, rien du tout. Faut l'empêcher de partir. Casse-toi. Mais putain. Je l'ai pas touché là. Je l'ai pas touché. Ok. Dans le côté. Elle est morte. Ok, ok, ok. Je suis trop nul, putain, j'arrive pas à viser. Non. C'est où? Je crois pas. J'en entends d'autres. Par ici. Attends, on va essayer de refaire un silencieux. Faut que j'y arrive, hein, bordel. En fait, je me déplace pas assez, c'est ça, c'est ça le délire. Ah là 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 là, ça rentre pas dans la tête là. Ouais, bah la station télé, c'est un beau bordel, hein, mon truc. Dire si on peut se casser, c'est pas plus mal. Ellie, par la fenêtre. Vite, faut y aller. C'est un truc, là-bas. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est tout. Allez, cours, 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 cours. Retour dans les égouts. C'est chiant les égouts, j'aime pas les égouts. Faut qu'on avance. On va refaire un clip. Alors autant le 1, j'ai réussi à le faire en réaliste en utilisant un seul kit. Et quand on sans utiliser de kit pendant tout le jeu. Autant là, j'en ai déjà utilisé 3, je crois. C'est pas comparable, c'est la première fois qu'on fait J'espère le jeu. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Ah, ça va peut-être être là le moment du métro, là, non? Qu'on avait vu dans les trailers. Ah, c'est ça. Là, on va leur envoyer les claqueurs sur la gueule. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ces intruses? Des scars viennent de buter toute une unité. Pourquoi on les laisserait pas ici? Les infectés vont les bouffer. Elles ont tué Mike. Je veux les buter moi-même. Elles ont eu Jordan aussi. C'est pas bon. Putain, quelque chose les a énervés! Allez,
J'ai voulu les énerver, mais je me suis mis moi-même dans la merde. La doublette. Putain, je suis en arrière depuis tout à l'heure. J'ai trop mal joué, je joue trop mal, putain. Faut pas qu'on traîne trop longtemps dans le coin. Tout ce que tu peux, et après on bouge. Ouais, vas-y, on va fouiller vite fait. On améliore ça tout de suite. Et ouais, putain, comment je joue mal, j'utilise mal les. Est-ce qu'on nous met à notre disposition, quoi? Tu jettes un truc, les claqueurs ils y vont, machin, tout ça. Non, non, je foire tout. Ah, je m'en veux. Je joue pas bien, je m'en veux. C'est stylé, hein, les lumières et tout. Coup de main. Oh, dès qu'on sort de là, on s'arrête pas, on arrête pas les vidéos, je pense. D'arrêter là, de se poser quelque part. Bon, j'ai vu qu'on pouvait passer à gauche. Hein. C'est une impasse. Peut-être par ici. Encore une note. Je veux dire, il s'appelle, c'est juste Jules. Camp des Séraphites, ils appellent ça Haven, ils disent qu'ils l'ont bâti, mais j'en parle, j'ai du mal à l'anglais. Ouais, on va tomber sur les débiles là. Je crois qu'on est pas prêt. Comment ils nous appelaient? Scar. Je me demande si c'est les Scar qui ont fait tous ces graffitis et qui ont étripé tous ces wolves. Putain, il y a que des tarés dans cette ville. C'est clair. Putain de merde. J'ai jeté un œil là, mais... Ok.
Bordel. T'as déjà vu un truc pareil? Les colosses balancent des spores acides. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit un. Putain, on tombe sur les colosses. Ils se battent. On devra les laisser s'entretuer. Les puants. Je suis d'accord. On va sûrement avoir affaire aux puants. Hein. Les Chamblers. Bon, bah écoute, let's go. Hein. Putain, elle était vraiment sympa cette station Tellian, dis donc. Waouh. C'est quoi le plan? Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller? Oh bah tu te démerdes. C'est le gros, tu te démerdes. C'est bon. Ok, un établi. Le truc c'est bien d'avoir les établis, mais quand t'as pas de pièces. Parce que là même s'ils m'en donnent un petit peu, je dois pas avoir grand chose. Je dois pas avoir grand chose. Non, j'ai 35 pièces, je peux rien faire. Ouais. Avec le flingue à la limite, qu'est-ce que je peux faire? Recul cuivre d'un compensateur pour réduire son recul. Oh, allez, vas-y, on va le faire. On va améliorer petit à petit. Ça va le faire, man. Bon, bah, allez. Quand on est d'accord, je vais aller là, ça pue. Comment on fait pour se balancer déjà? Je m'en rappelle plus. Putain, c'est trop stylé là. R1, ok, bah tu vois, il suffit de demander. R1. L'échelle est pétée. Fais chier. Bon, je prends mon fusil à pompe là, j'ai pas confiance. Ah, j'ai 74 stimulants. Et donc 100% la vitesse de confection. Non. Augmente la santé maximum, plus 25% de santé. 50%. Attends, permet de ramper plus rapidement. Maintenez rond pour vous mettre à terre. En vrai, je pense que la furtivité c'est le mieux. Hein. Silencieux amélioré. En vrai, ouais, je pense que le. Ouais, si, ça doit être le mieux, ça. Ah bon, l'échelle est pétée, donc je fais quoi? Là, le conduit. Quoi? Quel conduit? Ah, ok. J'ai même pas fait attention. Bonne idée. Un autre numéro! On fout le camp, vite! Attention! C'est bon, je m'en occupe! Allez! Putain de merde! Mais t'as ta lampe, qu'est-ce que tu fais? Moi non plus! Oh attends! J'ai pas envie d'y aller! Pas envie d'y aller. Bon bah allez, on y va. Donc là c'est des puants, très bien. Les infectés ne voient pas votre lampe torche. Ah bon? Ah, c'est que les puants là, ok.
Ah, il me voit pas, mais il me voit en fait là. Mais donc ils sont pas aveugles, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère, dégage. Comment tu veux que je le bute cette merde là? Je peux le tuer en un coup ou pas là? Non, non. Putain, il est dégueulasse le truc quoi. Bien ce que je me disais, il y avait des claqueurs avec eux. Des claqueurs des rôdeurs quoi. Des coureurs, des rôdeurs, ce que tu veux, plus ça comme tu veux, comme je t'ai déjà dit. On était pas loin, c'est con, on aurait pu se barrer tranquille en vrai. Enfin, pas tranquille, mais. Quand on achetait la bouteille, on était bien en fait. Et. Par où on se barre là? Je veux m'enfuir. Ah mais j'ai plus de vie. Comment ça se fait, j'aime pas attention. J'aime pas faire attention que j'ai plus de vie. Et je me suis trompé en fait, j'ai jeté ça. Putain, j'arrête pas de jeter les grenades au lieu de mettre les bombes là. Et on se remet bien, on fait tout le stuff là. J'ai tellement de trucs à ramasser que je ramasse pas. Attends, c'est bien, je suis là, mais je fais quoi? Comment je fais pour me barrer de là? Par là? Ah ok. Allez, allez, casse-toi. Oh, je déteste ces enfoirés. Ils t'ont eu? Non. J'ai rien. Des puants? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? J'en sais rien. Mais ils sont horribles. Du coup, est-ce que c'est l'évolution du colosse ou c'est en dessous du colosse?
La voie est libre. On peut pas passer là. Ah. Bon, l'épisode est super long. je pense qu'il est super long. Je sais même plus quel épisode on est, 6, 7, je sais même plus. C'est que du kiff en fait là. C'est quoi ça? Hey, tu trouves pas qu'on dirait la nana du graffiti d'Esca? À fond, ouais. Si. Pourquoi les wolves les appellent Scar, à ton avis? Après les horreurs qu'on a vues aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de savoir. Est-ce qu'ils se scarifient? Pas mieux, quoi. Pas mieux, pas mieux. Est-ce que tu as encore oublié le code? Apporte-moi une canette et je te le donne. Ok, ouais, bon. Faut retrouver tous les morceaux, non, tant que dire. Merde. Il faut un code. Oh putain, me dis pas que c'est sa note dégueulasse là. Est-ce que c'est dessus? Je pense pas qu'il y a le code. Quand les soldats ont... Non. On l'aura pas là le code, hein, je pense. C'est trop trop calme. Ah, il s'est fermé là, on a vu. Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Là c'est fermé. Ok, on y va. Oh putain, il y en a encore là. Enfin, les infecter, votre lampe torche, mais... Enfin, ne voit pas ou voit, je sais pas. C'est bizarre, leur délire. Est-ce que les purs, ils me voient, eux? C'est quand même que c'est les coureurs qu'il faut que je bute. Ceux qu'il faut que je bute, je peux pas me permettre d'affronter les tous les puants, hein. c'est pas possible. Attends, on a un là. Ferme-la,
ferme-la. Ok. La pression est là, mon pote. T'as des trucs à récupérer. Bon, en vrai, je pourrais aller fouiller, mais si je peux me barrer, je me barre. Les gonzes, on se barre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident de train, peut-être. Merci, Sherlock. Par contre, juste comme ça, pour le rappeler, le doublage, il est archi lourd, quoi. Bon, si on arrive à sortir de cette zone, on s'arrêtera là pour l'épisode. Il doit être super long, je pense. Je vais en chier pour faire le montage parce que le rendu, ça prend du temps sur mon PC. Mais voilà. On kiffe. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Je vois de la lumière par là. Alors remonte. Dina ? Ouais, j'arrive. Encore Jules. J'espère que tu es revenu en jeune, c'est incroyable le nombre de fictifs qui commence à mener Zachary. C'est comme étant. Puisse-t-elle te guider? J'y pense à chaque fois que je me demande où tu es. Mais puisse-t-elle te guider? Je l'ai plus. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est. Ouais, tu sens que c'est sectaire là. Tu sens que c'est. Qu'il y a du lavage de cerveau, quoi. Très très bien. Elle est partie où, Dina? Ok. Qu'est-ce qu'il y a, quelque chose hein? Rien, y'a rien. Alors pourquoi tu atteins? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, on se rapproche de la lumière. Ah, elle n'est plus là. J'allais dire si c'est encore le truc le culte voit l'autre connasse. Je peux pas sauter là? Oh jure. Ok. Hé, hey, je vais t'aider à monter. Ouais. Bon, dès qu'on sort de là, je pense qu'on arrêtera l'épisode. Je dois être au moins 1h15, je pense, ou wow, plus que ça même. Trouvez quoi? Allez, ok. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Devant. Merde. Dina ! Merde. Tu peux
Allez, on se barre, oui. On se barre, on se barre. Oui. Alors, vas-y, fonce. Cours, Dina, cours. Cible. Hey. Et si on se reposait dans ce théâtre? C'est une putain de bonne idée. T'as le bordel que c'était. Je te tiens. Attends là. C'est bon? Y a personne. Viens. Eh ben. Tu peux me dire ce qui se passe, au juste. Tu me demandes ce qui se passe. Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure attend pas. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Toi aussi, maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis ? Il n'est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rien. Il faut seulement que je me pose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant ? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines ? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien,
J'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller m'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi. Eh ben, on en apprend des belles, des vertes et des pas mûres. Bah alors Jessie, qu'est-ce que t'as fait avec Dina, hein? Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Putain, c'était... Quand il y a de l'action, il y a de l'action, hein. On va pas se mentir. Ça va, j'ai passé le cap, Joël est mort, ça y est. Je décolle là, ça y est, je commence à décoller. Putain que c'est lourd. Enfin bref, on va reprendre ici pour le prochain épisode. Et puis, à bientôt pour la suite du Let's Play tout simplement. Je suis pressé d'y jouer. À bientôt les gars. Allez, ciao. Peace.